Kolobanini par rapport à ça, parce qu'à un moment donné là on peut remarquer qui confirme Bokomi et puis aux yeux avion au Kenya au Angola au Salim Salana correctement kuna avec une autre équipe aux Zongi c'est quoi Kolobanini par rapport à incident ou à nation on peut l'appeler comme ça. Oh il caille l'ouvrir la sika au monde au nom de mon adé. Mais Namoni quand même que tout royer là qui culture. Oui, la musique. Mais si nous avons trouvé un avion, nous avons raté l'avion. Nous avons raté l'avion. Le problème, c'est que peut-être que nous avions raté l'avion. Le problème, c'est que nous avons raté l'avion. Le problème, c'est que nous avons raté depuis le début, nous avons fait l'avion. Nous avons fait l'intention, nous avons fait l'intention, nous avons fait l'intention, nous avons fait l'intention. Ce qui est là, c'est en Angola, ce qui est là, c'est là, c'est la porte à la chambre là-bas. Non, on n'en est plus à ça. Moi, je ne suis plus à ça du tout. Je suis raté l'avion, je suis la vol, je suis prévu à Zaté. Souci, souci, attends, je donc, je suis il n'y a pas de problème. Ok. Il y a toujours un petit, il n'y a pas de problème. Il y a combien de bateaux qui sont là en apôtre. Il y a combien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Peut-être que peut-être pour visa, il y a quartier la tente fait dans le lobby. Il y a officiel, il y a l'état mboka. Tout à fait. Peut-être qu'il y a un plan, mais moi personnellement. En tout cas, l'un des seuls. Parce que il y a au moins bimi, il y a 12. Oui, mais tu as la musique dans le biso. Dans le bac 12, c'est ça. 12 et 13. 12 et 13, mais 12 et 13, bon, 13. Pourquoi bon, bon, chiffre, banda peut se faire 13. 11 péalites. 13 peut faire ça. Donc 13, 12 et 13. Si on s'allait, on va dire, mais il y a 13. On a sombi, on a sali, on a sombi, on a sombi. Donc, nous, on a le bagarre, on a bossé, on a pu avoir un programme clair. Je comprends que tu es va profiter pour battre un bâton dans les roues. Et bannir les lotes, mais les lotes sont commis pénal grave. Surtout le coin d'internet et bon, rien. Je le coin de livrer. Je suis belé, je suis belé, je suis belé, je suis donc, à l'obino boyé, je suis belé. Mais là, si je comprends que je suis belé, je suis belé, réserve. Bateau suis belé, travailler suis belé, je suis belé, je suis belé, je belé. Je n'ai plus besoin. Ah, lobby na osala boye kenite. Na za na course na mutute. Donc là, ça la gamme sala, nous en basonga. Au fond, le sous le roman wa monene na kiche. Même temps où les gens de Rubima. Oh le bate. Batu ba okuta na surprise o ezala na noté. Na o loba mingi. Par rapport à Banzembo. Na o lobelo pas plus. Surprise, on a les ça dit, vous les athées. On a un nanga, on a un prophète, on a un pasteur, on a un athée. Quand on a un micro vert, on est sur la Jamaïque. Malamona moni Bob Marley. Après, on a eu Usain Bolt. Sur la États-Unis, malamona moni MJ, Michael Jackson. Même à Tali, on a Jay-Z, tout ça, on a Beyoncé, tout ça là. Même MJ. Aza toujours. Sur la Tanzanie, on a Diamond. Je suis au Congo, RDC, en tout cas, je suis au Kofi Olomide. Je suis au Mandia Moutonani, je suis au Bango.
Mais dans l'aéroport, dans le Nigeria, partout, dans le monde, Koffi Olomide. Ce n'est pas parce que c'est moi, mais c'est comme ça. Donc, c'est normal que mon ami ait une question. Je me dis, mais c'est Ukraine, ah, mais c'est Poutine, ah, mais c'est. Tous les noms. Voilà. Surtout, il y a deux noms, mais je ne sais pas si on peut faire. Mais il y a un double king. Donc, on a commenté là au Lobaté, et nous avons fait un peu de bateau, et nous avons fait un peu de bateau, mais ça, on a fait un peu de bateau, on a fait un peu de bateau. Même la YouTube, on a fait une mission, ma cambo, Koffi, mais je me suis dit, on a fini, et là, on a fait un peu de bateau. Et dérangeant, non, on a commenté à moi, c'est-à-dire, non, ce fait a dérangé, je suis na pété ma plomb, je suis malade depuis Kalaba, ma cambo, on a connu ça. Et moi, je suis malade à Poto, je suis malade à Tanzanie. C'est quoi la Koffi Olomide? Na bandel, je suis malade à Poto, mais il y a la Tanzanie. Na Tanzanie. Na ba États-Unis. Mais vous remarquez, moi, si vous remarquez, je suis bien. Ma blog, ma YouTube, ma chaîne, ma nini. Paris, Belgique, Brazzaville et Kinshasa, DS Champagne vous accompagne lors de vos événements avec un service d'hôte et d'hôtesse pour une dégustation de nos crus d'exception, finesse et d'élégance. DS Champagne vous propose aussi la vente de ses produits en gros ou au détail. DS Champagne luxueux de Paris, des décembres. Faites comme moi, je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongona, tap tap send. Netika koto tinda SMS, mo tindi mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais. Netika na Croix-Rouge. Faites comme moi, vous téléchargez l'application Nabino ya. Tap tap send. Quand on a téléphone na yo, au tindi esika ozali, yepe azui esika azali. Pona numéro o ezali na M-Pesa, RTL Money, to Orange Money pona Kinshasa, MTN Money, to RTL Money pona Brazzaville. Tap tap send. Na beti na send mbongo. Yamba mbongo ata na minuit. Tap tap send. Bongo et longue la poche et continue à chombo. Tap tap send. You send me, send you. Yal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 
okokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe lengi soso ya kotumba ngulu ya kotumba poisson ya kotumba esengeli koyebake chez Jonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche awa nde sika ambiance ezali kolala adresse ezaka kase moko chez Jonga de weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi eko banda kozalande CNN alligator na ba artiste mosusu bako banda kosepelisa bino na makinu ya deux fois te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta kozwa ko palola awa boko sentir betoue baou différence yena malolo oui frère Babi Chonga, futur, hein? Nous te reçons la 50 boîtes, la catakine, c'est du masque. Soko ningo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Jonga de yangonde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur JLTV et Vox Africa. Nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés une légende que nous connaissons, que nous aimons, qui nous fait encore cette fois l'honneur d'avoir ce nom qui n'est autre que Monsieur l'Ambassadeur. Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur. On doit corriger quand même. Excellente Ika. Le Quadracoraman, Excellence Monsieur l'Ambassadeur. Qu'est-ce que ça vous fait de porter ce titre? Oui, ça fait plaisir, ça me fait bizarre au début. Là, j'ai tendance à m'habituer un peu. Mais bon, c'est ça fait plaisir. Hein. Je résume ça comme ça, c'est bien. Et ça m'interpelle. Je dois pouvoir être digne de ce vocable. Il ne faut pas que ce soit une formule de plaisance. Il faut que au quotidien, j'essaye. Mais alors vraiment que j'essaye d'en mettre digne. Voilà, aujourd'hui, un dimanche, à Bruxelles, on vous retrouve plus détendu qu'hier. Hier, nous avons pu partager avec vous une conférence de presse qui était liée à votre présence ici en Belgique, en Europe, la visite du musée de Tervuren. On en parle un peu? Oui, moi je me livre à vous. Oui, dites-moi, qu'est-ce que vous avez vu de beau? Commençons d'abord. J'ai d'abord été très bien reçu par le conservateur, M. Guido, de ce musée prestigieux. Et parmi ses propos, celui qui me restera longtemps, c'est que le patrimoine culturel du Congo est très probablement le plus riche au monde. Il m'a dit, le Congo se focalise sur la Belgique. Il y a de bonnes raisons. Le rapport de colonisé à colonisateur, mais en dehors des 8000 objets, instruments de musique qu'il y a dans ce musée qui appartient au Congo, il y a 15 000 au moins aux États-Unis, mm-hmm. Il y a à Amsterdam, il y a Göteborg en Suède, etc. etc. Donc pour lui, le Congo devrait aussi regarder dans cette direction-là quand il s'agit de pouvoir récupérer ces objets d'art dont les enfants congolais, les petits-enfants, devraient profiter. Donc, avoir à regarder ces instruments, on est émerveillé. J'avais la chair de poule. Il y avait des choses que je n'avais jamais vues même en photo, dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Et je pense que tous les Congolais, s'ils avaient l'occasion de se retrouver dans ce musée, auraient été impressionnés autant que je l'ai été. Mais après, je me dis, mais comment on ferait pour physiquement, matériellement, les déloger de ce musée et les emmener chez nous au Congo? Comment ça allait se passer? J'ai vu notamment un éléphant empaillé, un okapi empaillé, de grandeur nature, c'est-à-dire au moins 4-5 mètres. Et impressionnant et beau. Et comment ça peut se passer? Et puis, pour les conserver, il faut une certaine température, il y a des conditions vraiment draconiennes. Donc, c'est pas évident. C'est comme ça qu'en résumé, M. Guido et moi, on a compris qu'il fallait
plutôt qu'un affrontement, plutôt qu'une confrontation entre nos deux nations, il aurait fallu qu'il y ait eu un consensus, une discussion, un processus, c'est-à-dire une façon amiable pour le faire, pour pouvoir y arriver. Et on va parler aussi de cette présence dans ce musée. Il y a eu quelque chose de si fort, je ne sais pas si vous-même vous l'avez remarqué, il y avait cette jeunesse belge oui. qui sont venus visiter ce musée comme on le fait dans chaque école mm-hmm. et qui rencontrent Kofi Olomide. Et Kofi Olomide vient découvrir aussi toutes ses œuvres qui parlent de la RDC. Monsieur l'ambassadeur. Oui, j'étais agréablement surpris. J'ai vu des jeunes filles. Déjà, j'ai fait au minimum 200 photos. Oui. Tout le monde voulait une photo et j'étais étonné. Je me dis peut-être que j'étais attendu. Bon, j'étais attendu, mais j'avais préparé, organisé un peu ça. J'ai vu à un endroit où il y a les affaires musicales de façon auditive, des jeunes belges, ouais. comme tu as dit, des jeunes filles, des jeunes gens, danser loi. Apprendre à danser loi, mais c'est là que je suis fier d'être le chanteur que je suis. Ouais. Ce sont des moments comme ça, c'est un moment unique. Je parle du musée de Tervuren, l'un des plus grands musées du monde. Et je vois des jeunes blancs belges, pardonnez-moi pour le mot blanc, ouais. en train de se trémousser au rythme de loi. Évidemment, cette chanson, tout le monde sait que chaque week-end, dans tous les mariages, dans les fêtes, dans les boîtes, il y a toujours cette chanson. Mais de voir ça comme ça, il était quoi, midi, 13h, j'étais franchement à carreau. C'était trop magnifique, quoi, trop beau. Voilà. Et c'est parmi toutes ces œuvres d'art que vous avez pu voir, et qu'est-ce qui a retenu votre imagination en se disant « Ok, j'aurais imaginé que ça pouvait être comme ça et là c'est réellement autre chose. » Mais je suis comme tous les Congolais qui n'ont pas encore été interviewés. Okay. Je vois les Likembe que nous connaissons, ouais. je vois les Lokole qu'on connaît, les tambours qu'on connaît, tous ces instruments. Mais j'ai vu des Lokole de 4 mètres. Wow. J'ai vu des Likembe inimaginables. J'ai vu que ce blanc belge qui me servait de guide, ouais. Qui connaissait les Bamongo, les Bomongo, les Batetela, les Yaka, les Soukou, c'est-à-dire mieux que moi, Congolais. Mieux que moi. Déjà ça là. Ouais, j'ai dit, mais c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et c'est là que j'ai été convaincu, parce que j'ai pensé souvent le contraire, que nos différences ethniques était une immense richesse. Effectivement, ça l'est. Donc, on a, je sais pas, 500 ethnies, je ne sais plus combien. Et chaque ethnie a ses instruments de musique, a ses particularités. C'est ça, la richesse culturelle de notre pays. Et c'est pour ça que M. Guido, le conservateur de ce musée, a dit que le patrimoine culturel congolais est très vraisemblablement et très probablement le plus riche au monde. Donc, en tant que Congolais, je suis parti de là fier et franchement heureux. On l'a entendu hier à la conférence de presse, monsieur l'ambassadeur. Il y a une question qui me revient à chaque fois. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui était enfoui en vous. Je vous vois maintenant. Oh, on se tutoie. Okay. Les gens savent qu'on a une proximité. Voilà. Qui était enfoui en vous. Et c'est comme s'il y avait eu un bouton déclencheur depuis que vous portez ce titre. On peut dire ça comme ça, oui. C'est-à-dire, je suis comme beaucoup de Congolais. Beaucoup de gens ont des idées, voudraient dire des choses. Mais on n'a pas l'occasion. Moi, cette affaire a déclenché quelque chose. Je suis heureux, j'en suis heureux. Et c'est pour ça que j'ai dit au début de mon propos à la conférence, je remercie du fond du cœur le premier des Congolais, notre chef d'État, oui. Antoine Félix Tshisekedi, pour l'honneur qu'il m'a fait de voir en moi, de me désigner comme l'ambassadeur culturel de notre pays, avec moi, Gims et son frère. Donc je le remercie vraiment et je voudrais vraiment pouvoir être utile à mon pays dans ce domaine. Je pense pouvoir dire humblement que dans
d'autres domaines aussi, je pourrais servir bien le Congo. Mais là, déjà, c'est un élément qui me convient. Et le peuple congolais le veut, le peuple congolais me soutient, je pense que je peux valablement mener cette petite mission, cette grande mission. Oui, cette reconnaissance était primordiale, selon les dires de beaucoup de gens. Oui. Et on attendait vraiment que la première personne qui puisse recevoir ce beau passeport était bel et bien vous. Le président m'a dit, cher Kofi, ce passeport n'est qu'un symbole. Oui. Mais tu es depuis des années notre meilleur ambassadeur sur le plan culturel. Partout dans le monde où nous allons, dans les réunions, on rencontre des chefs d'État, on nous le dit, le Congo de Kofi Olomide. J'étais touché entendre le premier, le chef de l'État de mon pays me parler ainsi, je le remercie. Et beaucoup de gens, quand il y a eu la nomination de Gims, ils ont dit non, mais Kofi, Kofi. Et puis, il y a eu cette vidéo de Papa Wemba, que quelqu'un a sorti à la suite de tout ça, où il disait, avant même que je n'ai joué à Bercy, c'était avant l'époque de Bercy. Je crois que je l'ai partagé aussi. Voilà. Il a dit, un Kofi Olomide mérite un passeport diplomatique, il est digne de représenter notre pays. Je pense, avec humilité, oui, j'ai fait applaudir le Congo. Oui. J'ai fait applaudir le Congo dans diverses occasions et j'en suis pas mal fier quand même. Ouais. Le fait que vous soyez de l'autre côté de la barre et que vous ayez une hauteur par rapport à vos fonctions, ce ministère de la culture, aujourd'hui, si vous pouvez dire un mot sur cela, la culture congolaise, il y a une évolution? Est-ce qu'on est en train de rétrograder? On a un musée à Kinshasa. Est-ce qu'il porte dignement ce nom, Kofi Olomide? J'ai dit, quand j'ai vu tous ces objets d'art appartenant au Congo, venus du Congo, j'ai dit à M. Guido, est-ce que vous trouvez ça moral? Est-ce que vous trouvez ça légitime? Que toute la culture de mon pays soit ici chez vous en Belgique. À travers ces objets d'art, les masques, il me parlait des mandona, des féticheurs, de tout ça. Vous trouvez ça? Un golf, disciple de Jésus, Tona Itadua Injili. Des vrais chrétiens ne croient pas, tes problèmes sont finis. Par contre, t'engage à un chrétien, dis oui au combat. A chaque fois, une personne accepte Christ, c'est comme un sauveur. Ça ne plaît pas au diable. Avant de monter au ciel, il nous a bien promis. Ah oui. Je vous laisserai pas. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles, Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga porte de la chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga Paris porte de la chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Normal que cette partie de l'âme de mon pays, parce que ça c'est l'âme de mon pays, réside ici chez vous. Et que pour que nous récupérions ça, il faille négocier avec la Belgique. Moi, je pense qu'il y a des choses non négociables. Il a reconnu, et j'ai beaucoup apprécié, dit oui, il y a des choses qui ont été pillées, qui ont été volées, qui ont été emportées illégitimement en Belgique à l'époque du colonialisme, parce que les rapports étaient les rapports de dominé à dominant. Il y a quand même aussi des choses qui ont été vendues par certains possesseurs, des gens qui en étaient propriétaires. Et c'est là que j'ai posé la question. J'ai dit, mais vous ne pensez pas que les quelques objets qui ont été vendus, par cette formule qu'on appelle abus de faiblesse. Parce que quand vous dominez quelqu'un,
qui possède un diamant, vous lui dites, écoutez, votre diamant, je vous donne 10 euros, alors que ça vaut 20 000 euros, il va céder, il va vous le donner. C'est aussi une forme de spoliation. Donc, est-ce que vous trouvez ça normal, vous trouvez ça légitime, vous trouvez ça moral que notre âme à nous, Congolais, se trouve ici? Moi, je dis maintenant, tout le monde sait ce que c'est que la culture. Notre culture, c'est le pondou, oui, c'est le foufou, c'est le mutuashi, c'est le makwandungu, ce sont nos danses, ce sont nos instruments de musique, ce sont nos artistes et tout ça là. C'est ça. Donc, c'est important qu'une nation ait sa culture. Mmh. Une nation sans culture, d'abord, ça n'existe pas. C'est une nation qui n'existe pas, qui n'a pas d'identité. Nous, on est heureusement une nation identifiée. Mmh. On a nos particularités. J'en ai cité quelques-unes ici. Et moi, j'en suis tout à fait fier. Donc, le musée que nous avons, c'est bien. Mais on devrait pouvoir faire beaucoup mieux. J'ai vu ce que j'ai vu à Tervuren. Je le redis. J'étais à Karo, j'étais sidéré, j'étais baba. J'étais béa. C'est incroyable. Il faudrait que beaucoup plus de Congolais aillent faire un tour là-bas. Ce que vous avez apporté aussi, c'est que depuis que vous êtes là, ce n'est pas que la culture liée à la musique. Maintenant, il y a cette culture aussi que tous ces hommes culturels attendaient, que vous leur mettez aussi en valeur, les peintres. Oui, mais bon, pour mes débuts, je l'ai dit, hein, le jour où j'ai été élevé, j'ai dit, je suis un bébé en la matière, je vais me rapprocher d'experts, des gens qui s'y connaissent, des gens qui ont l'expérience de tout ça. Et j'ai discuté, j'ai pris des contacts, notamment avec des gens comme Didier Mumengi, avec le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, avec le professeur Sindani, professeur d'histoire. Ils m'ont appris des choses, ça m'a beaucoup, beaucoup enrichi. Et la culture, ce n'est pas que la musique. Évidemment, le numéro un, quand on parle de culture au Congo, c'est la musique. Parce qu'il n'y a pas un Congolais qui n'est pas un peu musicien au fond de lui-même. Il y a les peintres, il y a les sculpteurs, il y a les dessinateurs, il y a les écrivains, il y a les comédiens et tout. Et j'ai, lors de ma présentation, mon inauguration, entre guillemets, j'ai lancé un appel aux gens des autres domaines culturels au Congo de se rapprocher de moi pour me parler un peu de problèmes qu'ils ont dans leurs catégories respectives. Et puis voilà, je ne peux pas prétendre connaître tous les problèmes, mesurer la dimension de tout ce qu'il y a sur le plan culturel, dans tous les domaines culturels de mon pays. Donc j'attends de rencontrer les gens, qu'on discute et tout, et je suis disponible, je vais rentrer au pays. Donc je serai là pour ça, voilà. Kofi Olomide, on va passer maintenant à cet album Légende. Depuis qu'on l'attend, je crois qu'on a fait énormément de bruit dernièrement. Depuis que moi je l'attends. Depuis que moi aussi j'attends maintenant. On a eu l'interview dernièrement que j'étais avec vous et vous m'avez déjà dit qu'il arrive. En juin, vous savez, j'ai signé un contrat, ouais. Tout a été fait, la transaction rituelle a été faite. Mmh. Et le dernier mot qui m'a été dit, parce que je n'ai plus de droits, ça appartient à un label, à une maison de disques, on m'a dit juin et juillet. Mmh. Je suis comme tout le monde, désormais j'attends. Et en attendant, je me suis mis à faire des chansons. Ouais. J'en compte aujourd'hui autant qu'il pourrait faire aussi un album. Mmh. Mais nous attendons tous Légende. J'attends d'écouter Kofi avec Davido. Wow. Oui. Qui encore? J'attends d'écouter Kofi Inos. Et qui encore? Tiwa avec Charlotte Dipana, tu écoutes mon amour. Oui, Charlotte. Tu écoutes mon amour, oui, toi oui, qui oui, es oui. un amour. Oui, toujours. Donc, et puis les Rumba Chacho de Kofi Olomide, tout un problème. Il y a notamment une chanson qui s'appelle Femme, une autre qui s'appelle Pont Rouge. Il y a vraiment, cet album, c'est peut-être. Je le dis aujourd'hui, c'est l'un des plus grands que je n'ai jamais fait. Le seul souci, il y a beaucoup de chansons et on aura du mal à trouver le tube. Mais je sais que tout de suite, il y aura au moins une ou deux chansons qui vont sortir du lot et se détacher en tête de peloton. Et l'album compte combien de chansons? On en est à peu près, mais ça sortira en deux volets. On avait déjà dit, oui. il y a Légende Platinum, mm-hmm. et Légende Diamond.
Diamond et Platinum. Mm-hmm. Voilà. Didi Stan. Nike. La perle. À un moment donné, il y a eu beaucoup de critiques. Aujourd'hui, je me permets de le dire parce que c'est pas évident. C'est un enfant qui a grandi dans ce milieu-là, mais elle s'est forgé un caractère, une indépendance aussi, parce que souvent, elle a grandi dans, toujours avec ces critiques-là où on disait que c'est lié à son papa. Aujourd'hui, elle vole de ses propres ailes, avec votre soutien bien sûr, parce qu'on le voit à travers vos réseaux, à chaque fois que Didi franchit une étape, vous êtes derrière aussi à la soutenir. Aujourd'hui, Didi... ce que vous avez prédit, on est en train de le vivre. Tu fais des rimes. Aujourd'hui, Didi, ce que vous avez prédit... Mais peut-être que je peux commencer à chanter aussi. Hein. Sûrement, très sûrement. Vous savez, il était un temps où je la prenais, je l'emmenais à l'école. Il y a eu un temps où, pour aller au supermarché en bas de chez nous, il fallait sa maman, il ne voulait pas que sa maman fasse deux pas devant, qu'elle reste derrière. Et bon, maman... Et c'est normal qu'aujourd'hui, à 22 ans, elle puisse faire ce qu'elle fait, c'est bien. Elle nous écoute, c'est une enfant très intelligente, qui a beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère. Et je suis admiratif, je suis fier, je suis admiratif. Là, je suis comblé, elle a ramené un diplôme à la maison, peu importe. Peu importe quel diplôme, elle a ramené un diplôme, un papier. C'est moi, pas n'importe quel diplôme en plus. Elle a ramené quelque chose à la maison, moi j'en suis fier. Et en tant que papa, je me sens interpellé. Il faut que quelque chose se passe. Là. Je sais pas le dire avec des mots ici, pendant ce programme, mais c'est mon enfant que j'aime et dont je suis fier. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vais balbutier. Kofi Olomide, on va parler un peu en lingala pour le public congolais. C'est comme tu veux. Ok. Le grand Mopao. Oui, Ika de Young. Et là, il vaut mieux tout le bango pe na lingala. Boyaki moi, batu ebele. Je sais que les gens attendent cette question. Ceux qui n'ont posé en OPT et Obimaloko, Ika Babilo, Moussou, soit tout nité. Mais. Tomoni vraiment équipe quartier latin et Zongi. Zongi ou Bayakinayo, c'était vraiment pour un programme précis lié à la culture. Ce n'est pas un show Kofi Olomide, et ça lié à la culture congolaise. Est-ce que Lelo, Soko Taliba ou Zongi, satisfait? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, maman. Bonjour, maman. Merci beaucoup, maman. Respect à nos mamans. Ah, Kitoni Maya. Merci pour moi. Merci. Ça va? Merci beaucoup pour papa Kitoni Maya, monument. Il y a Congo. Merci, maman. Merci. 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 Kofi Olomide, on va le dire en lingala, parce qu'il y a le public congolais aussi qui veut vous écouter. Kofi Olomide ya ki asoi na tuni pe motu na ngote ozala ikaba question mususu a sauté. Boya ki moi ebele. Mais to monielo moko vraiment quartier latin ya ki batu bazana ba epola quartier latin bazongi. Bazonga e lobby na neo tamtam. Tina aéroport. Mais si ko yebisa biso okolobani ni par rapport à ça, parce qu'à un moment donné là on peut to remarquer ki Kofi Olomide bokomi. Et puis, aux yeux avion, au Kenao, Angola, au Salim Salanao, correctement, Kuna, avec une autre équipe, au Zongi, Sigotorolo Banin, par rapport à un incident, ou un, si on peut l'appeler comme ça. Oh. Ika, il y a un Sika, il y a un Sika, il y a un Sika. Mais, Namoni, quand même, il y a un Sika. Que tu vois, il y a une culture, il y a une musique. Mais ceux qui ont trouvé naïe, beaucoup d'argent a raté avion. On a la voile bannie. Problème mon gosette, peut-être aux avions ils ont eu. Problème attend monqué exalité. Problème attend monqué exalté. Depuis le début, bah oui, Kofi Olomide. Mais qui bat pas au prétendant, bah intention, bah au canisaki, Kofi a canisibuti.
si tu es en Angola, tu es en Angola, tu es en la porte à ma chambre là-bas, non, on n'en est plus à ça. Moi, je ne suis plus à ça du tout. Je suis arrêté à l'avion, je suis à la vol, ou à l'équipe de Viazaté. Souci, tu souci, à temps, je suis donc, je suis à il n'y a pas de problème. Ok. Bah, toujours, petit, il n'y a pas de problème. Je suis à combien de bateaux, au suis à qui m'a en apporté. Je suis à combien. Et ça, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Peut-être que peut-être pour visa, il y a un quartier latin qui est fait dans le lobby. Il y a officiel, il y a l'État Mboka. Tout à fait. Peut-être qu'il y a un plan, mais moi personnellement, en tant que Congolais, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ok. Merci qu'on ait cette réponse. C'est quoi le quartier latin? Qu'on fait l'homide de Tomoni Badat? Tout le monde a déjà tourné aux États-Unis. Quartier latin, je crois que la tante Péaba. Artiste va évoluer rapidement, mais nous, et ça que va accompagner. Est-ce qu'on verra un Koffi Olomide en mode solo, juste avec les gens qui l'accompagnent, ou avec le quartier latin? Tout le monde en est, tout le monde. Tout le monde. Non, question comme. Et comment on voit l'équation, mon robot? Non, l'équation, mon robot, la date où il y a un conseil, il y a un bien, il y a bien. Il n'y a pas de problème. Mais. Au moins, il y a remarqué que. Mais c'est le seul où il y a le pour les vraiment comme on a eu. Balobi tout bon, c'est les salles si faites. On tient colis l'élo partout dans le monde. L'obé n'a pas su. On tient l'élo à Paris. L'obé n'a pas su. On tient à Paris. Moutetta n'a su. On tient le babi et ma meilleure. Hein? Les salles si faites. Y'a yémé et ma meilleure. On tient colis l'élo. L'obé d'os vie. Donc yéba Valéria et ma meilleure. Si y'a, on y'a l'inara vu de loin. Tiens de l'angana. Les salles si faites. On tient l'élo. L'obé n'a su. Ayouna. Bana mokili mobimba bana Afrique du Sud bana Paris donc il y a 5 continents nyonso bobanga te so monika agence fret ou eza ya fondation de Salisia et ma mère tabiloko lelo lobby ozui ah et ma mère quel miracle quel miskit dans la conscience photo pesio biso na so puna fret na biso to kena markade na Satorus et ma mère fondation de Salisia fret to ke tu tiens. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a Fred, Fondation et ma meilleure. Il y a des gens qui ont été en train de partout. Il y a des gens qui en Amérique. Il y a des gens qui en France. Il y a partout. Il y a Congo. Il y a des gens qui ont été en et ma meilleure Fondation de Salis. Tant que vous avez une fondation pour que vous avez une fondation depuis que là. Si les autres ont un immeuble, vous avez un immeuble. Bino et ma mère, fondation Fret. Au Fret, vous avez un immeuble qui est en train de se faire. Quand vous avez un immeuble qui est en train de se faire, vous avez un immeuble qui est en train de se faire. Mais, au tchèlelo, au jus lobby. Nga la commandante net nga lobby. Lelo, na jui, yango na lati. Ah oui, toza moussikate. Na France, na France na rimarkate. Bana château rouge, va y makam na zon lobby la. Bana château rouge, va y makam na zon lobby la. Bisho, e ratakate. Frete, biloko, le mitou kalonde ngo zingi. Frete, yango. Biloko na yo. Frete, ah, frete. A plus, mon mouké, biloko ebele. Ah, e mame ya fond. Je suis docteur Pichutondele, pharmacien de formation. Je suis formée à l'université de Kinshasa, à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Wabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Et c'est ce qui fait la différence du laboratoire CRMTA avec le tradi praticien, c'est que nos produits subissent différents tests, de tests toxicologiques et de tests des essais cliniques. C'est ce qui nous différencie des autres tradithérapeutes. Okay? Au CRMTA, nous produisons des médicaments à base de plantes médicinales et la spécificité, ce sont des plantes médicinales du Congo qui nous permettent d'obtenir ces différents produits que vous voyez.
Et nous sommes situés sur l'avenue de l'université, numéro 123. La référence est la Ré Capella 2. Et là, vous demandez la centrale de distribution Meyavisil et Thiazostimul. Et nos numéros de contact sont affichés sur le bas de vos écrans. Au CRMTR, nous avons deux branches. Il y a la branche cosmétique et la branche médicaments. Dans le cosmétique, nous avons Dilsi au collagène pour le traitement de tampons, de rides, de cernes, de poches. Et on l'utilise avec son sérum et le savon. Nous avons Dilsi réparateur pour le traitement de boutons et de tout ce qui est problème au niveau de la peau. Ça répare votre peau. Et on l'utilise avec son sérum et son savon aussi. Vous pouvez associer le gel douche fait à base de papaye. Nous avons Dilsi cheveux, crème cheveux, qui favorise la repousse de cheveux abîmés pour les cheveux colorés. Ça retarde la repousse de cheveux blancs. Vous pouvez l'utiliser avec l'huile et son shampoing. Nous avons également Dilsi parfum, qui est fait à base de plantes médicinales, des huiles essentielles, et qui a une particularité de pouvoir réduire le stress. Et dans la branche médicaments, nous avons Meyavisil, sirop et comprimé, traite les amibes, les levures, qui est un antipoison efficace aussi. Nous avons Thiazostimul qui traite les différentes formes d'impuissance sexuelle. Nous avons cité l'éjaculation précoce, les dysfonctionnements érectiles, l'azoospermie, le manque de libido, la fragilité chez la femme, la stérilité secondaire et chez l'homme et chez la femme. Nous avons Zinginalis comprimé et Zinginalis suppo qui traite les différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Nous avons Sensifos qui traite la malaria. Nous avons Diazonex qui traite les différentes formes de douleurs rhumatismales, douleurs au niveau du dos, allergies au pollen. Nous avons Meyamicin crème qui traite les différents problèmes de la peau, entre autres les eczémas qu'on appelle communément les gala maladie MPC, le mapalata, tout ce qui est problème de la peau, le scoriasis. Nous avons Diabewin qui traite le diabète. Nous avons Allium qui traite l'hypertension. Nous avons la crème Borex pour rallonger et puis donner le volume au trésor familial ou à l'organe masculin. Et puis nous avons Mega qui traite les différentes formes d'anémie. Et enfin, nous avons Dr. Maxon qui est une tisane qui traite le myome, le fibrome, les kystes ovariens. Ça réchauffe aussi les risques de la femme pour favoriser la fécondation. Nous avons également un antipoison qui neutralise pratiquement le poids de l'os. Ados erata raté, jamais erata. Zamba pambola bino, ezat pesi bino kaka message. Ka yum tozo landa, Dieu a permis tozala ana France na katia Saint-Denis. Makambo nzamba zo sala na Saint-Denis place tozana siège. Eza makambo bele peut-être tozaki informé te. Bible lobi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Na zone di manzambe wana wa salaka. Ezamba na bi yaka ana Saint-Denis. Et ma cambebele zo sa mazo na l'adresse. Peut-être ba kite zo adresse. 9 rue de la Poterie na kata Saint-Denis. C'est facile zo na gare à Saint-Denis, gare à Saint-Denis au 838 au kiti na 2e arrêt Delaunay Belleville. C'est là où je suis. Mercredi service sacerdotal. Oza na problème zo tungisa, onni mara loi prophétique, onni mara nzamba bikisaka. Meka na nzambe na ngai. Mercredi tozawa 14h service sacerdotal prophétique et bandi. Dimanche à partir il y a 15h adoration louange et ils appellent service prophétique. Donc partout d'ici vous allez vous faire nanda route. Ils ont invité dans un dimanche haut. Il y a un dimanche haut. Tokou misanzam ensemble. Wana li kamo joye batena salanin. Viens, je connais ce Dieu là. Il est capable de changer tout. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de images à Mangengenge, tous à Mangengenge, la loi surnaturelle, toujours croire dans Zambéwana. Vous en avez déjà mercredi, dimanche, tous à Awana, Saint-Denis. Je vois numéro en Wana. 07 66 27 40 02. Numéro en Wana. Kando Zolanda, Benga. C'est votre frère, Père Conde d'Israël, sacerdoce et rataraté, jamais rata. Tous à présent, na Saint-Denis. Dans la Saint-Denis, ma camionne les eaux salamans. Zamba pambo. Nous avons un message à Mukuse, nous tous là, nous avons appelé à Mukuse. Message à Mwezaboué. Nzamba ebisinga, na sambe la pona ba aîné de la famille. Yami balé, na sambe la pona ba maladie aux oscillatés.
Il y a 1007, on a 100 mais la pour un blocage. Mari de nuit, femme de nuit, force nous avons pris un schéma. C'est simple. Et ici là, adresse la pression. Jusqu'au numéro 07 66 27 40 02. Quand on se talo, quand c'est azar et azar, mais quand on zambé nanga, nalobi sacerdoce sera taraté, mais quand zambé nanga, apesin la schéma, et quand on se landa, miracle en zambé salamelao, benarara na souka, tous alliés, mercredi 14h séance à Royambe Bandi, dimanche 15h, yara na famina yo, zamba pambola yo, c'est votre frère, père con d'Israël, jamais rata, merci. En tout cas, l'un des seuls, parce que, il a au moins bimé, il a en haut à 12. Oui, mais tu n'as pas dit que tu as dit que tu as dit 12 et 13. 12 et 13, mais 12 et 13, 13. Pourquoi bon, bon, chiffre, il y a 13. 11 paix à l'île. 13 paix, il faut que donc 13, 12 et 13. Si on s'en est en haut à diamant, il y a 13. On a sombi, on a salé l'île, on a sombi, on a sombi. Donc, nous avons besoin d'un programme clair. Nous avons compris que nous avons profiter pour tirer un bâton dans les roues. Et bandit les lotés, mais les lots de commis grave. Surtout le quoi l'internet et bon rien. Nous avons quoi l'admin livre à ca. Bah tu belles, bah ça là, bah bleu, tu mets un bah 12 ouan. Donc à l'obino boyé, il nous a qu'est boyé. Nous là c'est quoi yo? Nous comprenons depuis que nous avons payé la moitié de réserve. Bah tout le travail, la banque tout signé, la banque. Je n'ai plus besoin. Ah, lobby dans la boue qui n'était. Dans la course, dans mon tout. Donc, dans la gamme, nous sommes là. Au fond, nous sommes là. 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 Les gens de Rubima. Oh, le bâté. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous par rapport à Banzembo, non, le bel pas plus surprise. On a les ça dit boule les athées. On a banganga, n'a pas prophète, n'a pas pasteur. Bago, bago, comme à point en athée. Qu'on fait la midelle, le commissaire qui est là au mot et les qui n'a congo. Baimba, mon ami, couvert, qu'on fait le midé, l'icamon, mon yangon déni. Les bandits, les lotés, ils ça fait. Tu m'en dirais, mes collègues, comme vraiment un peu accentué. Non, il y a un seul constat. Je suis là. Même MJ. Aza toujours. Si on a dit dans la Tanzanie, nous avons Diamond. Nous avons dit dans le Congo, RDC, en tout cas, nous avons Kofi Olomide. Parce que nous avons dit 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 que nous Kofi Olomide. Nous avons dit que ce n'est pas parce que c'est moi, mais c'est comme ça. Donc, c'est normal que mon ami tourne une question. Mais c'est Ukraine. Ah, mais c'est Poutine. Ah, mais c'est. Tous les noms. Voilà. Sauf que ça deux noms. Je ne sais pas si tu as un mais ils ont un double king. Donc, je vais commenter là où le bâté. Et l'ingo le bâté, il y a l'équipe Batou. Et l'ingo le bâté, mais ça, quand on est un bâté, il y a un bâté. Même on a même la YouTube. Au moins, on a une mission à Kambou. Kofi. Mais même si on a fini, il y a un Kofi. Et dérange à non, Je suis venu à la maison.
Donc, album n'a pas pu bimara, n'a pas eu de conditions. Voilà, et puis ça ne me dérange pas. N'a pas comme Kofi sans internet, sans YouTube. Tout à fait. Bah, V12, bah, Tenta. On sait un peu ma conscience. Mon Iba n'a pas eu de conscience. Depuis la caméra, on a venu l'user à toi qui n'a eu. Bah, petit mot, bah, Maguna, bah, Jordi Mopao. Bah, petit mot, bah, Milko Sarkozy. Bah, petit mot, bah, JP. Bah, petit mot, bah, Guna, bah, Kevin, bah, à Bruxelles. Ah, bah, Harry, c'est-à-dire. Botama, Bakuta, V12 et Salama déjà. Ma bossani va Didi Stone. Ce qui Didi a joué Melo Aspirine, au Kansaraza, Ajmogona, Naba Espera Djengaka. Zogande. Donc, ti, on peut balingango. Balinga peut baloua, ti lelo. C'est tout. Nous avons appris ça, merci, nous avons dit, mais on a quitté Koloku Mama. Donc, qui est Banaloua, Bajordi, Azason a 20 combien? Mais il y a une musique à Kofi, donc on dit que c'est la bossana. Nana olobani, na olongolani, na osalani. Kofi l'homide, c'est le mot qu'on peut toujours retenir avec les années. Ba jeune, nous, génération, nous, zoya, ozo. Bango, nous, au fait, c'est comme si, c'est pas comme si, ozo réellement tiré Bango vers le haut. Est-ce que quelque part, il y a quelque chose en toi qui est acquis qu'au sein à que. Qui bon papa, qui bon yaya, qui bon leader, qui bon mukolo, qui bon légende, et on sait au salapé geste. Au moni, et ça bien pour un artiste, azana présent, ne tombe pas en actualité. Mais je ne sais pas si ce n'est pas plus important que azana peine à histoire, à parcours. Et puis azana peine à projet, c'est-à-dire à venir. On est tous en tournée américaine, alors que ça déjà passé, alors que ça s'en est déjà. C'est comme ça que les jeunes ont confiance en Moutande Ngwana. Moi, je pense que Moutou a mis sa bateau, comme un bateau, mais il est mort à Zagara Moutou. Au moins, il y a une époque où il y a Néo Tam Tam, quand les Zagaté. Il y a une époque où il y a Néo Tam Tam, il y a un talisme, il y a Néo Tam Tam, il commence à dire au vent du calme, au lait, aux eaux ronflées, au commis Bruxelles, aux ongles calmes, fait par un Congolais. Il y a ce qu'il y a à l'époque où il y a écotité, écotité. Il y a mon awapi, tata a 60 ans, à bêta générique, papa mobimaye, ça se fait 7 ans et bêta la caca. Bah au finga, bah au cosé, les macambo, moi vidéo, bimi, moi boy, ça dit baloukara, zalara cible. Mais, je suis content pour moi, crime, papa, papa, moi, je suis heureux et fier de pouvoir être utile à la jeunesse. Parce que Moka Oyo, jeunesse, c'est ça sacrifié, jeunesse, c'est ça aidé, c'est ça Moka Moko perdu. Quand je dis jeunesse, il y a talent, il y a Congo. Et moi, j'encourage ça. Et moi, j'aime ça, je le dis du fond de mon cœur. Donc voilà. On t'en va à la fin. Déjà. Donc on continue. Il y a Nadège La dernière question, Eza, est-ce que après légende, Kofi Olomide, la légende, à un moment donné, on se dit, on a tout à l'heure tendre vers après légende de l'Oroza et Souti. Est-ce que tout le monde a Kofi, c'est quoi, Tiki Musique, Post Moko,
Il faut que tu aies un peu de difficile. Si vous voyez ce que vous avez fait, vous avez professeur en mathématiques en Belgique. Professeur en mathématiques en Belgique. Tout ça en 2022. Si vous avez fait ça, vous avez fait ça. Pour ce que tu as la prévision, tu as l'air de démenti. Donc, tu as l'air de Merci, Frézi Djonga. À la caméra, le mot de la fin, le grand mot. Je le mot de la fin. Laurent Lorenzo, Lenny Kravitz, Salo, Aimé Salo, on a Pessi, Bila Bilartus, on a Pessi, Izebo la poids lourd. Izebo la nom, on a dit, Bali, sociétaire, Bali, administrateur, ayant droit. Ça dit, papa m'a pas ça, bon, on a bandé comme ça, Inos, Bagas Fabilas, Bassan, Bamina, à saler les gars à 2 millions, après les restes, à ce moment-là, le domaine en Grèce, banine. Donc, leur mot, ce combat, va vendre, va quand ils sont venus, quand ils vont souffrir, quand ils vont mourir. Moi, je ne sais pas, tu es que tu vas aller à la dans la classe, tu vas aller à la tête, ma professeur va foutre ma bien, tu es dans l'hôpital, ma médecin, moi, il va soigner, tu vas aller, celui qui va foutre, tu es, moi, je ne sais pas, tu es à la tête. Mais responsable, à ma gamme, on a tant qu'il y a un vrac, ils ont un musicien. C'est la énième fois que je le dis. Et tant que, Mogesa ko s'abîmer dans le domaine belé. Tolingi surtout abîmer sur domaine culturel. Oye ça la moi on est comme je l'ai dit ici tout à l'heure, ba bété la Congo ma boko à travers nga, notamment l'Afrique du Sud na gagné 4 cora, africain mogote a gagné yango na soirée moko. Ba tozo bunda na tilelo ezalagati. 4 rondo na soirée moko ezalagati. Donc le mot ba toaka mutu tout vendre tout comme ça tout à là que intérêt général Congo fuzala. Tout à l'heure, nous tous monte la bise à cause d'un intérêt à Boma Congo. Batoba au lien Boma Congo, Batoba au salaire que Bango Mongo Bazoa, Bango Mongo Bazalaga bien, Bango Mongo Bazekaka. Et le peuple n'anzela bas souffraga. Baibika Bango Mongo Bazoa punition en Zambie. Oh, on a couru le Bayangwana, on a pu se faire négo à Paris, monte. Nous avons dans temps à terre, bah Jupika qui tenge, Yobi Jupika qui tenge. Donc on a pu se monter trop, on a pu se Je te souhaite Kinshasa, David Mangaya Fanichis. David Mangaya, ya Fanichis. David Mangaya, guy, I say hi to you, big up. Stay blessed, your mind, my heart is your home. I love you, stay blessed with your family. We meet soon. Very soon we'll be together again. Nous avons un débat de Braza, Bagingoya, Igolondele, mon grand frère, mon mentor, le révérend Vincent Gomez, grand prêtre. C'est-à-dire, mon tour en 4, il y a un peu de mots, il y a un peu de Anthony Ndoinangaya, il y a Néo, il y a un titulaire à poste à Oboudenga, mais il y a Anthony, il y a un peu Serge Anthony, il y a un peu de mots, il y a trop. Il y a un peu de mots, 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 il y a
na pesi pe Marius Bayende na pesi mbote atro na pesi Bruno Matadi Bruno Matadi au quoi de boire ngati na pesi Olivier Bila na pesi Papito Kindudi na pesi Papito na pesi pe grand prêtre Moka Gil Wando na pesi oyo ba Gil Wando na pesi ah talaga yo iba iti talaga yo na pesi pe ba to scrabble tout ya ko ngombo te ba scrabble surtout ba scrabble na pesi ba ngo tout mot patron ba ngo yo l'invincible na yo yo do banana kalala les gars na Cheza colonel Justin Nadi Bunsana petit langa Igor Lombo yene na beta yo ndile ba beta est-ce que ça sous na terre beta scrabble je ne fais que ça ça dit sous na zo beta ngo déstresser ma bête donc na za wana do na zo le dire problème dans la téléphone micro ko maga ndengwa na embouteillage ndé obimande ndio kinda yo mo kinda na pe ya pe ma moto na nga kinda ba ku c'est pas sécurité na ba kare ba na ba ba bien on ba casque donc moto pinda ko c'est bien le quadra il y a deux choses na pe si Neymar Kazadi na Mbappé Kazadi bana ya Sandra Kazadi ba jumo na biso il y a qui to ko boy et il y a deux choses qui vont arriver il y a Olobai na biso déjà sal na combo mo na et le reste et le reste qui ali et puis chaîne la télé na type ka comme Didi a Didi Stone Stone TV Stone TV Télestone vraiment canal 21 bande ko nazo développer chaîne on a ndé non le salamaté ba ika de yongo na ko bunda ndé ka bazo bunda ba za Mbappé na Real ye fa comme directrice kuna ko e bi bula tango couleur na ye tango na chaîne on a canal 21 Stone TV Télestone botala ngo malem nan tout non non na bandi penalty un nazo luka na no longo na na de localiser ko na pe moi bien ensuite ye ka ka ika o ila nga de vie fo na suma ba décor pe na o za na monde de lo ba ba système o ko ma ya ya virtuel wana do na o développer mais na tanda bo za la brancher canal 21 kala minute bo mona ma ngam le gars on a incroyable quoi surtout programme mo ba na o za na après-midi et o za la donc ba 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 coiffeuse ba maquilleuse, cinéaste, comédienne. C'est-à-dire, il y a un plateau qui est incroyable dans le canapé. Il y a une boule qui est animée par Ika de Yong. Comme Naomi. Naomi déjà. Naomi déjà. C'est ça qui est un boule. Il y a un canal 21, Stone TV, Télestone, Ozoango. Il y a un coopéré que même l'émission est dimanche à midi. Pour une fois, ma mille la serre n'a pas eu un monument, n'a pas eu un peu de moi concurrence, n'a pas eu un solo, n'a pas eu un mot qui est à la raboui quoi. Et puis ça, loin. Moi, ça le cas de moi, ça le cas. Moi, je battu Baya, il y a battu nous, c'est tout. Studio Pézali, donc il n'y a pas de problème. En tout cas, bravo le grand Mopao. Merci. Merci pour ce moment de partage. C'était important de je voudrais quand même terminer ce programme pour remercier celui grâce à qui je me retrouve à Bruxelles aujourd'hui. On est dimanche le 8, le 8 mai. Donc je remercie, je salue le chef de l'État. Après ça, on a habillé, après ça, on a moyen, après ça, on a confiance. Parce qu'avant, on a eu un mot, on a expliqué le programme. Donc, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, merci papa. On a l'habitude que combattant, merci parce que après ça, on a eu et puis la condition est bien. Tout le monde est satisfait. Bon séjour, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vraiment, il n'y a pas de problème. La PCP Bartiste est sur tout le monde. Vraiment, on est sur tout le monde. Tout le monde est sur tout le monde. Tout le monde que faire se peut. Voilà, en tout cas, merci. On félicite aussi l'international Chancel Mbemba qui vient encore de gagner une fois une coupe avec FC Porto au Portugal. Merci à Frézy Djonga qui était à la caméra, Néo Tamtem qui nous a accompagnés, Sandra Kazadi, toujours fidèle au poste. Merci à tous et c'était Ika de Yong sur Vox Africa et GLTV. On n'oublie pas l'ingénieur Toubadelo aussi. Merci.